paix et joie. Demeure béni, mon frère. Demeure béni, ma sœur. Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta joie dans les cœurs. Merci Seigneur de ce que tu nous accompagnes dans les moindres détails. Et nous glorifions ton saint nom. Nous te disons merci. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour chaque membre de nos familles. Merci pour toutes les personnes que nous côtoyons, pour les membres de nos bureaux, de nos lieux d'études, de nos lieux relationnels, professionnels. Seigneur, nous te disons merci pour nos paroisses. Merci pour le clergé. Merci pour toutes les autorités ecclésiales, les autorités étatiques. Merci Seigneur pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur et gloire à toi. Dans une partie de l'évangile de ce jour, Jésus-Christ dit que quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Bien-aimé du Seigneur, que la grâce de toujours proclamer notre foi en Jésus-Christ nous soit donnée. Que le Seigneur raffermisse notre foi. Que le Seigneur raffermisse ce don que nous avons reçu du Saint-Esprit à croire en Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie en ce matin pour tous ceux qui peut-être l'ont perdu ou l'ont vendu à cause d'un quelconque bien, à cause du mariage, à cause des biens, à cause de quoi que ce soit dans ce monde, et que tu as renié Jésus, tu as tourné le dos à Jésus. Alors en ce matin, par cette parole qui est une parole de vérité, je te demande de revenir. Reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Et toi également qui n'as pas encore expérimenté Jésus-Christ de Nazareth, je te demande s'il te plaît de donner ta vie à Jésus, de croire en Jésus-Christ, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Car nul n'ira au Père sans passer par Jésus-Christ. Alors en ce matin, je te demande de publier ta foi en Jésus, de reconnaître que Jésus est le seul Seigneur et le Maître de ta vie et il est le Sauveur de ta vie. Accueille-le dans ton cœur, accueille-le dans ta vie et tu verras qu'il fera de grandes choses pour toi. Merci Seigneur pour la vie éternelle. Merci Seigneur pour le salut de nos âmes. Amen. Je crois en toi, mon Dieu. Je crois en toi. Temps, mon frère, ma soeur, médite sur la bonté de Jésus, médite sur tout ce qu'il a accompli pour toi et donne-lui ta vie. Crois et espère en lui. Alléluia. J'espère en toi, mon Dieu. Sous les fonds
être à toi seul. Nous voulons t'appartenir, Seigneur, et définitivement. Nous voulons, Seigneur, t'offrir toute notre vie, nos cœurs, nos âmes, nos corps. Ma sœur, mon frère, offre ta vie à Jésus-Christ comme un sacrifice vivant. Et nous voulons l'adorer jour et nuit. Nous voulons l'adorer en tout temps et en tout lieu. Plus près de toi, mon Dieu. Plus près de toi. Plus près de toi, mon Dieu. Continuer de t'adorer tout au long de cette journée. Nous voulons continuer de demeurer dans la foi que tu es là, dans la foi que tu agis et dans la foi que tu demeures fidèle. Merci Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde et nous affermisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.